Les Nations Unies avertissent que l'ordre civil a commencé à s'effondrer à Gaza. Des milliers de personnes ont pillé des entrepôts alimentaires durant le week-end. L'Agence de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient déclare que l'aide humanitaire acheminée depuis l'Égypte est loin d'être suffisante. L'agence indique également que 59 membres de son personnel sont morts depuis le début du conflit. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a de nouveau appelé dimanche à la libération immédiate des otages à Gaza et à un cessez-le-feu humanitaire. L'acheminement de l'aide à Gaza est bloqué depuis que le conflit a éclaté le 7 octobre.